Radio 1, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Alors aujourd'hui, nous avons bien sûr l'occasion de tout bon feedback de tout bon partenaire qui peut concerner avec sa catastrophe-là. Et surtout, le Salvage Master qui est là avec le Special Casualty Representative. Donc, pour nous gagner une first-hand information, l'opération qu'il peut faire, parce que c'est eux qui sont experts, l'opération surtout pour capable et contenir sa spillage de l'huile, plus qui meilleur pour maintenant sécuriser ben, de l'huile qui est déjà dans le tank. Vous faites un rappel qu'il y en a un tank qui est déjà endommagé. Donc, quand de l'huile peut continuer à sortir, il peut aller dans la mer. Et puis, il y en a aussi ben, les autres tanks qui contiennent beaucoup de l'huile, mais qui est intacte, et donc, il ne va pas subir aucun dommage. Je dis ça sous réserve, hein? Je dis ça sous réserve parce que le plongeur qui n'a le plongé, malheureusement, je suis capable de constater une partie du bateau, je ne suis pas capable de plonger pour être. L'autre partie du bateau. Alors, ça dégâts qui occasionné dans sa intake là, les contenir environ 1183 métriques tonnes de l'huile. Et finalement, donc un fissure qui comment photo une monsieur $23 une tour. Je trouve ce qui s'y a tout ce qui apparent, ce qui s'y a tout plus large fichier, mais il y a jusqu'à en bas, mais jusqu'à une certaine place, côte du bateau, côte, même pas de plongeur, pas capable vraiment de donner une description. Alors, comment la première mesure qui nous vient prendre, bien sûr, avec conseil de tout bon expert qui travaille là, c'est tout de suite capable d'essayer de retirer sa, de l'huile qui est dans sa tank qui est abîmée là. Et vous avez dit heureusement qu'il réussit déjà commence capable de tirer. Et à l'air que nous posons à là, à peu près 250 métriques tonnes. De l'huile lourde depuis dans sa réservoir là qui finit pomper. Et ça, l'exercice de pompage là peut continuer. Il peut continuer pendant toute la nuit aujourd'hui. Et il y a plusieurs dispositions techniques qui peut prendre. Je ne vais pas prendre dans le détail. Mais il y a surtout le fait que c'est un réservoir côte la pompe qui est connectée avec lui, il y en a une certaine capacité et nous ne sommes pas capables d'une plus grande capacité que ça pour capable de pomper. Donc, on va faire pompage. Et puis, il y a pourtant aussi connaît qui, étant donné qu'il nous pour approche le soir, donc. Et aussi avec l'aide de SMF, tout ça, pour donner un coup de main pour capable mettre la lumière et pour capable mettre l'électricité au bateau là, parce qu'il bateau là peine à l'électricité là. Alors, vous pouvez imaginer pour la pompe qui a fonctionné, pour capable l'opération qui a fait, comment besoin donc électricité, besoin la lumière. C'est une opération extrêmement délicate, bien difficile. Est très très risquant parce qu'il n'est pas pareil qu'on ban pompage qui fait normalement
dans les autres bateaux, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est difficile, mais au moins le récit arrive à sa solution pour PDS. Maintenant, on peut prévoir aussi qu'il faut prendre tout le temps pour pomper pour qu'un récit tire autant de l'huile lourde dans sa tank-là. Et ça vous dépend aussi de l'eau qu'il est temps pour faire. D'après météo, ce qui dit à nous que demain matin, les temps pour commencer à gâter. Alors, on ne connaît pas qui peut arriver. En fonction de l'étang, de là, pour guetter, c'est quoi pour continuer, pour faire, décision va prendre. Mais les temps pour gâter, on va guetter, parce qu'il s'est fait prévoir jusqu'à lundi, les temps pour mauvais, pour une amane vague, puisqu'il est 2,5 mètres. Et donc, il faut revenir comment la situation était avant. Alors, là, il prend aussi, il finit prendre une mesure qui peut continuer à appliquer, aussi pour nous capables de tirer de l'huile dans la mer et dans l'ago, et faire ban skimming. Et donc, pour quand même surmonter sa crise écologique-là. Et bon, là aussi, il y a plusieurs choses qu'il peut faire. Et dans l'appareil qui peut servir pour tirer ça de l'huile là, et dans camion citerne qui dans certaines places avec la pompe qui peut pomper tant qu'il marée haute capable de pomper, mais comment marée baissée quand pénance c'est de l'eau, il est difficile pour pomper. À part ça, il y a ben, l'équipement, ben skimmeuse additionnelle qui nous peut gagner. Et là, je tenais à remercier le pays qui peut donner un coup de main. Et dans la Réunion, il finit à voir déjà certains de l'équipement. Et dans l'Afrique du Sud, donc et dans l'équipement peut venir depuis l'Afrique du Sud. Et dans représentant des Nations Unies, qui dit aussi, et dans une série de bons experts qui finit à aligner là. Mais comme je connais, la cause du COVID-19, il y a des difficultés donc, pour voyager. Et ça aussi, nous pouvons essayer de faire un arrangement pour qu'il y ait un expert là capable de venir le plus tôt possible. Et dans l'Inde, et donc dans plusieurs pays qui nous répondent pour donner nous coup de main. Et un avion français qui est arrivé dans la journée avec l'équipement qui pour aider pour enlever de l'huile et sécurise l'agon, c'est-à-dire avec ce boom là. Et dans deux autres avions qui peuvent arriver avec plus l'équipement et effectif dans la soirée. Et comment me dire, en attendant donc, faire une pompage et on connaît une capable de retirer donc une certaine quantité de l'huile là de la mer. Et comment me dire, vous avez répété parce qu'il est un expert. Surtout, vous avez fait la population connaît qui ça l'opération là, est techniquement extrêmement délicat, bien difficile. Quand vous réalisez, c'est un expert qui en a beaucoup l'année d'expérience, mais vous dites qu'il y a une situation comme ça, et donc vous avez vraiment toute bonne mesure de sécurité pour pas mettre la vie du monde en danger. Laisse-moi remercier aussi au niveau local et dans un paquet de compagnies et dans qui nous fait un autre l'aide aussi et dans la population et dans tout le monde, dans les individus, dans les ONG, dans les autres organisations. Donc il y a beaucoup de volontaires qui peuvent offrir un autre service pour venir donner un coup de main, pour nettoyer. Nous voulons dire aussi qu'ils besoin prendre précaution. Tout bonne volonté qui a envie de donner un coup de main, vous connaissez exactement qui coup de main vous êtes capable de donner. Parce qu'il n'est pas capable de venir, de nettoyer ou bien retirer de l'huile, parce qu'un expert dans l'environnement peut dire parfois capable d'arriver qu'ils ont cause plus d'ito qu'ils ont fait du bien à l'environnement. Donc c'est pour ça qu'avec le ministère de l'Environnement, nous pouvons prendre à disposition, parce qu'il vous a fait
d'un coup de main d'une façon ordonnée. Alors, donc, pour, déjà, donc, tout connaît qu'il y a une restricted areas, que du monde, en principe, pas qu'on est venu comme ça. Et si nous tenons pas appliquer la loi même, mais la police, tu pourras empêcher du monde de venir. Ça va nous comprendre qu'il y a beaucoup de monde de bonne volonté, qui a envie d'aider. Donc, Valéa Dizou, quand même, nous laisse ban, tout le monde de venir. Mais là, vous avez une loge, donc avec l'environnement, le travail, pour un système qui vient toujours pas nous, c'est comment vous êtes capable de distinguer entre des gens qui peuvent venir et qui peuvent gagner l'autorisation pour venir donner un coup de main, ben, des gens qui connaissent qui peuvent venir faire, et après, ben, les autres des gens qui ont envie de venir un peu la situation, ou bien ben, venir faire des affaires qui contraire à l'environnement aussi. Ça aussi, nous est là. On va voir dans le détail, nous avons quelques certains cas que nous avons. Je ne sais pas même connaître qui ont fait faire, je crois que j'ai pas envie d'aider. Alors, nous, pour terminer aussi, vous dire que le comité qui m'a fait présider comprend plusieurs membres qui, eux-mêmes, ont fait présider le sous-comité. Le commissaire de police fait coordonner tout au niveau technique. Nous avons un comité au niveau l'environnement, au niveau fisheries. Tout ça là, c'est un travail qui vient faire, qu'on vient faire une coordination. Et ce comité-là, nous pouvons siéger tous les jours. Donc, déjà, nous nous ferons rendez-vous pour demain, à 4h, pour faire un constat de ce que nous avons avancé, qui continue de progrès de faire. Et après, qui va les autres mesures en cours qui vous apprend aussi. Donc voilà, vous terminez pour dire encore une fois, ben, nous nous pouvons prier aussi qu'il y a des affaires qui. Enfin, il y a plusieurs affaires qui ont des hauts de contrôle. Mais un qui se c'est sur tous les temps, ben, nous prier qui, malgré ce qui météo il dit à nous, ben, nous prier qui, quand même, étant là, capable de pas détériorer et capable de permettre donc de continuer à faire ce travail qui nous commence là. Voilà, merci. Et si vous avez une petite question. La meilleure question que tu fais stocker, celui qui est récupéré de la meilleure qui est stockée. Alors, ça aussi pose un grand problème. Parce que tout ban, à nous dire, capacité de stockage qui nous est dans Maurice, y compris ban badge qui est capable de stocker, tout rempli. Et je voudrais remercier d'ailleurs beaucoup d'Indian et Indian Oil qui récite de nous des badges, qui d'ailleurs qui nous peut Taylor Smith aussi peut donner un bon coup de main. Donc nous peut travailler avec eux pour capable là, parce qu'actuellement que peut pomper, peut bien mettre dans sa main de badge là. Mais pour arriver à un moment, un badge quand il pourra remplir, je voudrais trouver une place que il faut capable transfert, ce qui est capable de tirer, et l'autre badge pour découvrir. Mais là, Valéa Dizou, nous payons la capacité, même si nous récitons tout de l'huile dans ce bateau-là, nous payons la capacité pour stocker tout de l'huile. Donc, il y a un gros problème, et, mais c'est bon, faire des bosses pour nous capables de gagner, par exemple, un bateau qui est capable de venir, qui est capable d'aller là. Alors là, il y a une compagnie qui s'appelle Poly Eco et qui trouve à la chaumière. Il peut prendre une bande de l'huile pour les recycler. Oui. Ouvert la frontière right, à ce jour. Ça nous a un comité des actes qui s'agit, moi et vous avez présidé avec ma collègue ministre. Et en temps et lieu, s'il y en a quelque chose, ça nous va annoncer. Mais, étant donné qu'il y a une catastrophe écologique, évidemment, nous prenons à disposition pour qui ça va un expert là,
pour faire des sortes qu'ils sont capables de voyager pour venir ici. Alors, dans ce contexte-là, nous avons déjà vol de rapatriement qui est programmé. Là, nous avons besoin comment nous sommes capables de faire une coordination avec les Nations Unies pour que nous soyons experts là, côté de l'été, et qui manière nous sommes capables de prendre le vol le plus prochain vol qui est capable et là, qui peut permettre d'autres de venir. Donc, c'est un travail qui nous peut faire. Mais il y a aussi le côté de santé. Parce que, vous connaissez, nous avons un système quand on rentre en quarantaine, avec un test, etc. Bon, ça va du monde là pour faire un test, mais seulement, évidemment, nous ne sommes pas quand même en quarantaine. Donc, nous avons un protocole spécial qui ne finit faire d'ailleurs, pas depuis, pas la cause, hein, mais depuis avant même, parce que nous avons un expert qui nous vient pour EU listing. Nous avons un expert qui peut venir pour les autres travails qui est là pour faire. Donc nous finissons ça à la rendement, même protocole qui est appliqué. Nous sommes capables de venir. Ça a un expert qui vient d'ailleurs pour salver du master avec son équipe, tout ça. Donc il est capable d'ailleurs à l'eau bateau. Même protocole pour appliquer. Nous sommes un expert là qui est venu, donc de nous coup de main. Parce que nous avons besoin de notre service. Depuis le premier jour, donc je commence le travail. De mémoire, mon gardien de National Environment Fund, nous donne une somme, et le ministère des Finances aussi nous donne un coup de main. Donc nous créons un fonds du Supreme Minister's Relief Fund, et qui pour soutenir justement les pêcheurs, les anciens, enfin, du monde qui vous connaît, affecté par ça, du monde de la région, là, ici. Radio 1 sur le www.ra.mu.